Quand on est venu présenter à BioVision, je dirais, le projet d'une équipe donc qui inclut des chercheurs, des biologistes et des ingénieurs, donc en particulier Afif Zakaria et Ali Bouamrami, qui se dirigent vers la création d'une start-up dans un projet, je dirais, d'explorateur. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont sur la planète Mars. Nous, on va aller explorer le cerveau inaccessible et les traces du cerveau dans le sang circulant, donc pour répondre aux besoins d'avoir des biomarqueurs de maladies neurodégénératives et des traitements, comme en cancérologie, où en fait l'accès à du tissu obtenu pendant la chirurgie a permis la révolution des thérapies ciblées. Ce prix est une récompense importante parce qu'il va encore plus souder une équipe qui va vers une création industrielle. Et donc, ça va favoriser le passage d'une unité de recherche au monde industriel, d'un projet qui est maintenant trop abouti pour rester dans le monde académique. Notre perception de BioVision est une perception naïve, puisqu'on ne connaissait pas ce symposium. Et ce qu'on en a retiré, c'est déjà des contacts industriels, des contacts avec d'autres startups. Et donc, par exemple, je viens de discuter avec une startup qui veut s'associer avec notre approche, rencontrer des investisseurs et puis avoir des conseils d'experts industriels qui sont en fait très présents ici. Donc quelque chose d'extrêmement utile pour un projet qui est justement en train d'aller vers le monde industriel. C'est vraiment l'occasion d'avoir un réseau dans un monde qui n'est pas le nôtre, puisque c'est une innovation qui vient du monde de la recherche. Donc commencer à pénétrer dans le monde industriel pour encore activer l'équipe à faire le saut. Nous, en fait, cette nécessité de parler des langages, je dirais, incompréhensibles et avoir de la multidisciplinarité, c'est la base de Clinatech, d'où est venue cette innovation, puisqu'en fait, on mélange des ingénieurs, des biologistes, des médecins, des mathématiciens, dans une perspective d'aller très vite au lit du malade. Donc, on ne peut pas aller au lit du malade si on n'a pas un industriel. Donc, ce qui fait d'ailleurs que ce projet a été très, très vite, puisque grâce, en fait, il y a une association de l'université, de l'INSERM, du LETI, et du CHU de Grenoble, et dans une perspective qui, dès le début, était industrielle. Donc, on a par exemple 8 patentes internationales. Donc, je dirais que ça, c'était vraiment la philosophie de notre centre qui a permis une innovation aussi rapide.